Jésus est vivant, Jésus travaille. Say Jesus is alive and he works. Des témoignages se comptent par milliers, par milliers, par milliers. Say there are many thousands and thousands of testimonies. Chaque vie est un témoignage. Every life is a testimony. Jésus-Christ, Jesus Christ, le Seigneur éternel, the eternal Lord. Veuillez vous asseoir. Get seated, please. Lis pour nous Isaïe 61 verset 1 3. Read for us Isaiah 61, reading from verse 1 to 3. Avant de continuer, before we continue, si tu es un invité, lève la main. If you have been invited, just raise your hand. Parce que même si c'est un invité, on va prêcher comme s'il y a 1000 invités. Because even if there is only one invited, we pray as if there are 1,000. Je vois déjà deux. I can already see 2, 3, 3, 4, 4, 5. Oh non, ils sont nombreux. 6. 5, yes, there are many. 6. 7, 8, non, non, ils sont nombreux. Lis-nous le passage. There are many. Read the passage. Pourquoi? Why? Pourquoi devons-nous commencer par les invités? Why should we start by those who have been invited? Il faut que chaque invité devienne un enfant de Dieu. Anyone that has been invited should become a child of God. Pour qu'il participe activement à la prière de ce soir. For him to take part actively in the prayer of tonight, of this afternoon. La Bible appelle ceux qui ne sont pas en Christ les gens de dehors. Those who are not in Christ are called by the Bible those of outside. Les gens qui sont étrangers aux alliances de Dieu. The people who are strangers to the covenants of God. Des gens qui n'ont pas droit d'appeler Dieu leur père. Ils n'ont pas ce droit là. The people who do not have the right to call God their father. Parce que la Bible dit, because the Bible says, à tous ceux qui l'ont reçu, that to all those who have received him, ceux qui croient en son nom, and those who believe in his name, elle, c'est-à-dire la parole, Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. The word that is Jesus Christ gave them the power to become children of God. Donc être enfant de Dieu est un pouvoir que Dieu donne. So being a child of God is a power that is given by God. Il y a des gens qui veulent qu'on appelle tout le monde enfant de Dieu. There are some people who want that everybody be called children of God. Ça c'est une vue humaine, c'est charnel. That is a human view, a carnal vision. Même dans le monde. Even in the world. Vous avez toujours entendu les gens dire, mon fils soit un homme. You have always heard people saying that my son be a man. Donc il y a une différence entre être un être humain et être un homme. So there is a difference between being a human being and being a man. Chaque père veut un homme. Each father wants a man. Dieu veut des enfants qui lui appartiennent. God wants children that belong to him. Il ne veut pas les êtres humains. He doesn't want human beings. Il t'a créé. He created you. Mais il faut que tu décides. But you must decide d'être son enfant. To become his son. Par ta conversion authentique. By your genuine conversion. Lis ce passage. Read that passage. Ésaïe chapitre 61. Versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébènes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Amen. La parole qui vient d'être lue, the word that has just been read, explique le plan du salut pour racheter les âmes.
displays the plan of salvation to redeem the souls. Dieu, God, a envoyé son fils, sent his son, dans le monde, in the world, one, pour apporter une bonne nouvelle, to bring them a glad tiding. Deux, two, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, to heal those who are broken hearted. Trois, three, pour libérer les captifs, to release the captives. C'est-à-dire pour briser les chaînes. That is to break the chains. Et pour faire quatre, pour faire sortir les gens de prison. And four, to take people out of prisons. Afin que ces gens-là portent du fruit pour Dieu. So that those people can bear fruits for God. Qu'ils soient une plantation de l'Éternel. For une them, plantation de l'Éternel. For them to be a plantation of the Lord. Pour servir à sa gloire. To serve his glory. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous voyez? You see? Dieu, God, a envoyé Jésus. Sent Jesus. Pour apporter la bonne nouvelle. To bring the good, glad tidings. La bonne nouvelle, c'est quoi? What is the glad tidings? C'est que Dieu donne la vie éternelle. Is that God gives eternal life? Cette vie éternelle est en son fils Jésus. That eternal life is in his son Jesus. Et Dieu a décidé, and God has decided, que si quelqu'un reçoit Jésus, that if someone receives Jesus, il pardonne tous ses péchés. He forgives all his sins. Et il lui donne la vie éternelle. And he gives him eternal life. Et il ne s'arrête pas à la vie éternelle. He does not stop to eternal life. Il vient à son secours. He comes and rescues him. Il voit ses problèmes de blocage. He sees the problem, the maladies, the sicknesses, the possession demoniac, demonic possessions. C'est pour cette raison qu'il a dit, vous chasserez les démons. That's why he said, you will cast out demons. Ils imposeront les mains malades, les maras seront guéris. You shall lay hand on the sick people, and they will be sick. Dieu connaît la condition de l'homme. God knows the condition of man. Dieu connaît la condition de l'homme. God knows the condition of man. Et Dieu est venu dans le monde. And God came into the world. À travers son fils Jésus. Through his son pour Jesus. Pour sauver les hommes. To save men. Pour sauver les hommes. To save men. Pour libérer les captifs. To release the captives. C'est programmé. It is proclaimed. Tu dois être délivré. You must be delivered. Le démon qui te dérange doit être jugé. The demons that disturbs you must be judged. Jésus est venu pour ça. Jesus came for that. Lis 1 Jean chapitre 3 verset 8. Read 1 John chapter 3 verse 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Continue. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Le Fils de Dieu est venu faire quoi? What has the Son of God come to do? Un invité. Listen. Si tu es un invité, lève la main. If you have been invited, raise your hand. Un invité qui veut parler. Oui, le Fils de Dieu est venu faire quoi? Yes, what has the Son of God come to do? Speak loudly. Bon, on relit. So, read it again. Parce que sans vous, on n'avance pas. Vous voyez, vous êtes important. You see, you are important. Without you, we can't go ahead. Lis à haute voix. Read loudly. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Le Fils de Dieu apparu peut faire quoi? The Son of God came to do what? Parle fort. Speak louder. Le Fils de Dieu est apparu pour briser les œuvres du diable. Apporte un livre à la vraie repentance. Bring a book, true repentance. Tu le donnes. Give it to her. Vous voyez ceux qui ne veulent pas parler là. You see, you who don't want to speak. Vous êtes là comme ça. You are there like that. Quand Jésus va distribuer les cadeaux tout à l'heure. Jesus is going to share. Tu seras là comme ça. To make a distribution of gift. Tu vas dire tu attends pour 2022. And you said that you wait for that of 2022. Donc tu peux régler tout ce soir. Though you can settle everything this afternoon. Va lire ton livre. Go and read your book. Toute l'assemblée dit le Fils de Dieu of God appeared.
afin de détruire les œuvres du diable. In order to destroy the works of the devil. Au ciel, c'est réglé déjà. It is already settled in heaven. Est-ce que vous me suivez? Are you following me? Au niveau de Dieu, at the level of, il a déjà signé ce dossier-là. At the level of God, he has already signed that file. Dieu, God, envoie son fils, sends his son, pour venir parler dans nos cœurs, to come and speak into our heart, la bonne nouvelle, the glad tidings. Et Dieu a tant aimé le monde, he said God so loved the world, il a donné son fils unique, that he gave his only begotten son. Fils unique. He gave his only begotten son. C'est une bonne nouvelle. This is a good news. C'est une bonne nouvelle. It's a good news. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. So that whoever believes in him shall not perish. Mais qu'il ait la vie éternelle. And that he gets eternal life. Voilà la bonne nouvelle. Here is the glad tidings. Tous les péchés que tu as commis. All the sins you have committed. Tous les péchés. All the sins. Jésus te pardonne. Jesus forgives you. Jésus te pardonne. Jesus forgives you. Il te dit. He tells you. Viens à moi. Come to me. Les gens vont se demander, même celui-ci. People will ask themselves, even this one. Il sera pardonné. He will be forgiven. Même toi-même, tu te demandes, moi aussi. Even yourself, you ask yourself question. I too. Tous ces péchés. All these sins. L'alcool. Alcohol. Le mensonge. Lies. La masturbation. Masturbation. Quand tu te regardes, tu es sale. When you look at yourself, you are. Tu as honte de toi-même. You are dirty and you are ashamed of yourself. Mais Jésus te dit. And Jesus tells je you. Je vais te pardonner. I will forgive you. Les avortements. Abortions. Sans nombre. We cannot count. Une femme m'a dit un jour. A woman told me one day. Elle dit, j'ai commis beaucoup d'avortements. I aborted a lot. Je lui ai demandé combien. I told her how many. Elle a dit sept. She said seven. Non, c'était beaucoup. No, it was, there were many. Vous voyez? You see? Plus de sept avortements. More than seven. Quand tu as commis des avortements, when you have committed abortions, les cris des bébés, the cries of the babies, montent vers Dieu. They go up to God. Ils montent vers Dieu. They go up to God. Si tu veux adorer Dieu, ça remplit tes oreilles. And if you want to worship God, it fills your ears. Tu as sept. You have seven. Huit. Eight. Même si tu as aidé quelqu'un. Even if you have helped someone. C'est les cris montent vers Dieu. The cries go up to God. Les cris montent vers Dieu. They go up to God. Le vol. Le stealing, vol. Stealing. Jésus va pardonner. Jesus will forgive je you. Dis tous les péchés. Que chacun dit tous les péchés. Let tous les each péchés. One say all tous the sins. Tous les péchés. All the sins. Tous les péchés. All the sins. Dis c'est une bonne nouvelle. This is a good news. Une bonne nouvelle. It's a good news. Que Dieu a décidé. That God has decided. De pardonner aux hommes. To forgive men. Tous leurs péchés, tous all les péchés. All the sins, all the sins. Oh, c'est une bonne nouvelle. Yes, it's a good Dieu, news. C'est une bonne nouvelle. It's a good c'est news. C'est une bonne nouvelle. It's a good news. Que Dieu that God a décidé. Has decided. D'envoyer son fils. To send his dans son. Le monde. In the world, dans le monde, in the world, annoncer to announce le pardon des péchés, the forgiveness of sins, le pardon des péchés, forgiveness of sins, le pardon des péchés, forgiveness of sins. C'est une bonne nouvelle. It's a good news. C'est une bonne nouvelle. It's a glad tiding. Quand tu donnes la vie à Jésus, when you give your life to Jesus, tu décides, you decide que tu sors des ténèbres, that you get out of darkness, tu entres dans la lumière, and you get into the light. C'est tout ce que Dieu te demande. That's all God requires you. Jésus a trouvé une femme. Jesus found a woman qui a fait commis l'adultère. Who has had committed adultery. Et on devait la tuer. And she killed. On devait la lapider. She was to be killed. Quand Jésus est arrivé. When Jesus came. Jésus a pardonné. Jesus forgave. Mais Jésus a pardonné. Jesus forgave. Et mais Jésus lui a dit. And Jesus told her. Va, va. Go. Ne pêche plus. Sin no more. De peur que le pire ne t'arrive. Lest what is va, what is worse va, happen to you? Ne pêche plus. Go, sin no more. Le pire ne t'arrive. Lest va, what is va,
Lest what ne is plus. Go see no more. Que le pire ne t'arrive. What is worse happens to you. C'est ce que Jésus te dit ce soir. That's what Jesus is telling you this si afternoon. Si tu veux lui donner ta vie, if you want to give it your life, si tu veux laisser tes péchés, if you want to abandon your sins, si tu as compris son conseil, if you have understood his advice, et si tu es décidé, and if you are decided, de venir en Christ, à Christ, to come to Christ, lève ta main, raise your hand. Viens me trouver ici sous la pluie. Come and find me here under the rain. Tu vas rendre témoignage que la pluie t'a mouillé à cause parce que tu donnes ta vie. Tous les autres, venez. All the others, come. Oh, c'est une bonne nouvelle. Yes, it's a glad tidings. Que Dieu a envoyé son fils dans le monde. That God sent his son in the world. Il a envoyé son fils dans le monde. He sent his son in the world. Il a envoyé son fils dans le monde. He sent his son in the world. Pour annoncer le pardon des péchés. To announce the forgiveness of sins. Pour appeler à la repentance. Et Jésus pardonne ses péchés. And Jesus forgives his sins. Et Jésus le restaure. Jesus restores him. Jésus brise la malédiction. Jesus breaks. Jésus brise la malédiction. He breaks the curse. Jésus brise la condamnation. Jesus breaks the condemnation. Oh, Jésus est le fils de Dieu. Yes, he's the son of God. Il est le fils de Dieu. He's the son of God. C'est lui qui est le Messie de Dieu. He's the one that is the Messiah of God. Tous les prophètes qui sont dans le monde. All the prophets that are in the world. Sont sous Jésus-Christ. Are under Jesus. Jésus est le chemin. Jesus is the way. Jésus est la vérité. He's the truth. Jésus est la vie. Jesus is the life. Si tu veux venir à Dieu, if you want to come to God, donne ta vie à Jésus. Give your life to Jesus. Donne ta vie à Jésus. Give your life to Jesus. Donne ta vie à Jésus. Give your life to Jesus. Donne ta vie à Jésus. Give your life to Jesus. Venez rapidement parce qu'on va commencer la prière. Come speedily because we are going to start the prayer. Si tu dois venir, viens maintenant. If you have to come, come now. Et on ne doit pas te supplier. We must not plead with you. Si on te supplie, tu perds la bénédiction. If you beseech you, you lose your blessing. Le Seigneur est roi. The Lord is king. Si tu veux venir à lui, tu viens en courant. If you want to come to him, tu viens you come te donner running. À lui. Tu viens te donner à lui. You come to give him your life. Tu ne perds pas le temps. You don't lose time. Tu ne perds pas le temps. You don't waste time. Si tu es un rétrograde, if you are a backslider, lève-toi seulement, tu viens. Rise up and just and come. Il est écrit. It is written. Mon ennemi, my enemy, ne te réjouis pas à mon sujet. Do not rejoice about me. Si je suis tombé, if I have fallen, je vais me relever. I will rise up. Si je suis assis dans les ténèbres, if I'm sitting in the darkness, l'Éternel m'éclairera. Tu peux être dans une communauté. You may be in a community. Ça ne compte pas devant Dieu. This does not count before God. Est-ce que tu te masturbes encore? Do you still masturbate yourself? Si la réponse est oui, tu as besoin de Jésus. You need Jesus. Est-ce que tu mens? Are you still lying? Sur ton nom, ton âge, ta nation. On your name, your age, your nation. Ton village. Your village. Tu mens. You lie. Tu mens, tu pratiques le mensonge. You lie, you practice lies. Tu as besoin de Jésus. You need Jesus. Tu as besoin de Jésus. You need Jesus. Tu as besoin de Jésus. You need Jesus. Est-ce que tu vis dans le concubinage? Are you living in concubinage? Tu dis, je suis marié. You say, I'm married. Surtout toi, femme. Above all you, woman. On ne doit pas te tromper. We must not deceive you. Jésus a dit à une femme, Jesus told a woman, va m'appeler ton mari. Go call your husband. Va m'appeler ton mari. Go call your husband. Va m'appeler ton mari. Go call your husband. Et la femme lui a dit, and the woman said, je n'ai point de mari. I do not have any husband. Jésus lui a dit, Jesus told her, tu as dit la vérité. You are telling the truth. J'en ai eu cinq. You had five. Même celui avec qui tu es là. Even the one you are living with, n'est pas ton mari. Is not your husband. Donc il y avait un homme. So there was a man. Chez elle. With her. Qui n'était pas son mari. Who was not her husband? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu es dans cette condition, if you are in this condition, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. You need Jesus. Tu as besoin de Jésus. You need Jesus. Tu vas devant. Go in the front. Tu vas devant. Go in the front. Rien ne doit te retenir. Nothing must retain you. Tu dois renverser tes pensées. You must overthrow your thoughts. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous? Is there someone among you? Qui est
qui prie quelque part, who prays somewhere else, mais le Saint-Esprit qui agit maintenant lui dit, tu dois devenir membre de la CMCI. Si tu entends cette voix en toi, lève la main. But you hear a voice inside you that tells you that if you have to come to this community, if you hear that voice, raise your hand. Est-ce qu'il y a une telle personne? Is there such a person? Donc, levons nos mains. Levez vos mains. So raise your hand. Hallelujah. Praise the Lord. Là où vous êtes, where you are, vous n'êtes pas devant un homme. You are not before a man. Vous êtes devant Dieu lui-même. You are before God himself. Nous ne sommes que des témoins. We are just the witnesses. Les anges sont les témoins. Angels are witnesses. Ils vous voient. They see you. Et ils sont dans la joie. And they are joyful. La Bible dit qu'il y a la joie au ciel. The Bible said that there's joy in heaven. Quand un seul pécheur se repent. When only one sinner repents. Et vous avez gagné la bataille. And you have won the battle. Dans le combat spirituel. In a spiritual warfare. La réconciliation avec Dieu. Reconciliation with God. Est le premier pas inconditionnel. Is the very first unconditional step. Dieu ne quand tu refuses de lui donner ta vie, when you refuse to give him your life, tu as tout perdu. You have lost everything. Tu as tout perdu. You have lost everything. Mais quand tu poses tes pieds, but when you lay fermement your feet, pour venir l'embrasser, to come and hug with him, tu as gagné la bataille. You have won the victory, the battle. Dis Seigneur Jésus, say Lord Jesus, je suis là. I am here. Je suis là. I am here. Je me réconcilie avec toi. I reconcile with you. Je te demande pardon. I ask you to forgive me. Pour tous les péchés que j'ai commis. For all the sins I've committed. Je reconnais que je ne suis pas bien. I know that I'm not good. Mais je change. And I change. J'abandonne tous les péchés. I abandon all the que sins je commettais, que je pratiquais. That I used to practice. J'abandonne en pensée, en parole et en action. I abandon them in thought, in word and in action. Accepte-moi. Accept me. Que ton sang me purifie. Let your blood que purify ton sang me. Me lave. Let your blood wash me. Oh Seigneur Jésus. Oh Lord Jesus. Oh Seigneur Jésus. Oh Lord Jesus. Écris mon nom dans ton livre. Write my name in your book. Ton livre de vie. Your book of life. Le livre dans lequel tu écris les noms de ceux qui t'ont reçu. The book in which you write the name of those who received you. Pardonne-moi. Forgive me. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. J'accepte. I accept. Qu'on me sépare de la malédiction qui est dans ma famille. That I get separated from the curse that is in my family. J'accepte. I accept. Qu'on me sépare de la sorcellerie. That I get separated from witchcraft. De la famille de mon père. From the family of my father. La sorcellerie de la famille de ma mère. Witchcraft from the family of my mother. J'accepte. I accept de m'établir to be established dans la maison de Dieu. In the house of God. Dans la maison de Dieu. In the house of God. J'accepte. I accept de m'établir to be established dans la maison de Dieu. In the house of God. Pasteur Lombé conduit cela. Ils sont venus après la prière. Dès qu'ils finissent de prier, so tu les ramènes ici. Lead those ones. They came before. Qui d'autre veut venir? Who else would like to come? Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Satan. Tu ne retiendras personne ici. You shall not hold back anyone. Va-t'en. Go away. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Que les chaînes. Let the chains. Par lesquelles tu veux retenir les âmes captives. In which brisées. You want to retain the souls captive, be broken. Lève-toi, tu viens. Rise up and come. Lève-toi, tu viens. Rise up and come. Lève-toi, tu viens. Rise up and come. Lis pour nous Osée chapitre 13 verset 9. Read for us Osée 13 chapter 9. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, je m'en vais prier, je rentre. I know there are many people who say here, I'm going to pray and go back home. Pour toi, c'est un exercice simple. For you, it is a very simple exercise. Vous avez écouté un témoignage ici. You heard a testimony here. Une sœur avait été bénie. A sister was blessed. Elle est retournée dans la dénomination. And she went back into the denomination. Tout était bloqué. And everything was blocked. Ce n'est pas une question de religion. It's not a question of religion. C'est une question de la connaissance de la volonté de Dieu. It's a question of the knowing the will of Qu'est-ce God. Qu'est-ce que Dieu désire? What does God desire? Il a dit dans sa parole. He said in his word. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. I will give you shepherds according to my heart. Et ils vous paîtront avec sagesse et avec
intelligence. And they will feed you with wisdom and intelligence. Dieu ne donne pas les religions. God does not give religion. Il prend les hommes. He takes people pour donner à certains bergers. To give them to some shepherd. Et toi, tu cherches la religion. And you are seeking religion. Mais Dieu lui te donne des bergers. But God gives you shepherds. Donc, tu n'as pas l'intelligence de Dieu. So you do not have the intelligence of God. Qui veut venir? Who wants to come? Qui d'autre? Who else? Lis le passage. Read the passage. Osée chapitre 13, le verset 9. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Amen. Écoute. Listen. Dieu dit. God says. Tu as des problèmes. You have troubles. C'est vrai. It's true. Tu n'as pas de travail. You don't have a job. Tu n'as pas de mariage. You don't have any marriage. On a jeté l'opprobre sur toi. There is shame on you. Il y a le rejet, le blocage. There is rejection and blockage. Il y a les oppressions. Oppressions. Il y a les malédictions. Les gens ne font que jurer que toi tu ne seras rien. There are curses and people are swearing that you will not become anything. Tu n'as rien fait. You have done nothing. Ils disent. But they say. Pour toi là. For you. Ils vont voir ça. They will see. Et tu n'as pas la force. And you have no strength. Tu as besoin d'aide. You need help. Et le Seigneur dit. And the Lord says. Ton vrai problème. Your true problem. C'est que tu es contre lui. Is that you are against him. C'est lui qui peut te sauver. He who can save you. C'est là ton vrai problème. That's where your real problem lies. Ton problème n'est pas dans le nombre des adversaires. Your problem does not lie in the number of your opponents. Ton problème n'est pas dans le nombre des ennemis. Your problem is not in the numbers of your enemies. Ou dans leur puissance. Or in on power. Il dit ce qui cause ta ruine, Israël. He says what causes your ruin, Israel. C'est que tu es contre celui qui peut te secourir. Is that you are against the one that can rescue you. Et c'est pour cette raison que la parole dit dans Romains. It is for this reason the word says in Romans. Si Dieu est pour nous. If God is for us. Qui sera contre nous? Who can be against us? Si tu veux le secours de Dieu. If you want the rescue of God. Et si tu veux entrer au ciel. And if you want to enter heaven. Lève-toi. Rise up. Donne ta vie à Jésus. Give your life to Jesus. Si tu refuses Jésus. If you refuse Jesus. Tu as refusé toutes les promesses de Dieu. You have refused all the promises of God. Jésus a dit. Jesus said, celui qui honore le Fils honore le Père. The one that honors the Son honors the Father. Si tu dis Jésus dehors, if you say Jesus outside, ça veut dire que tu as chassé Dieu. It means that you have driven God away. Les dernières personnes. The last people. Parce que si tu refuses Jésus, because if you refuse Jesus, tu perds tout ce que Dieu a réservé aux hommes. You lose all that God has planned for man. Et si tu meurs, and if you die, tu vas dans le lac de feu. You go into the lake of fire. Tu ne verras pas Dieu. You shall not see God. Nous allons conclure. We are going to conclude. Si tu dois venir, if you have to come, viens maintenant. Come now. Vous savez quand Dieu a envoyé les anges sauver Lot. You see, when God sent the angels to save Lot, les anges lui ont dit sors de la ville. They told him to get out of the city. Il ne faisait que tourner sur place. But he was turning around. Les anges l'ont saisi, l'ont tiré. The angels were to draw him. Et il fut sauvé. And he was saved. Je bénis le peuple. I bless the people. Dites amen. Say amen. Si tu connais quelqu'un, if you know someone, qui doit donner la vie à Jésus, tu ne comprends pas pourquoi il n'accepte pas, mais il est assis là. Va le chercher, tu me l'amènes ici. If you know someone who is sitting there and who does not want to give his life to Jesus, fais you don't understand anges, why. Fais comme les anges ont go fait. Go and take him. Do as the angels. Et Dieu va vous bénir. And God will bless you. Parce qu'il est là, il tourne. Because he's there, turning around. Toi, tu es sauvé en même temps. Que Dieu soit and avec toi. You are saved. May God be with you. Acclamation à Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. Mais fais comme les anges ont fait. Do as the angels did. Saisis la personne et amène. Si la personne refuse, qu'elle rentre à la maison. You take the hand of the person and you come with him. If he refuses, let him go home. C'est comme ça qu'on sert Dieu. That's how we serve God.
Jésus-Christ. Jesus Christ. Donc, on peut continuer. Okay, we can continue. Donnez-leur des chaises. Alors, chantons l'hymne avant de continuer. Let us sing the hymn before we continue. À ti sans n'a pas changé. J'ai dit à ti sans Jésus n'a pas changé. À ti sans il n'a pas changé. Il est le même éternellement. J'ai dit à ti sans il n'a pas changé. À ti sans lève ta main. Raise your hand. Parle-lui de ta famille. Speak to him about your family. Parle-lui de tes amis. Speak to him about your friends. Si tu connais un ami, if you know a friend, qui a besoin de prière, who needs prayer, qui a besoin d'une intervention de Dieu, who needs the intervention of God, pendant que tu es devant Dieu, while you are standing before God, prie que Dieu se souvienne de lui. Pray that God remembers him. Prie que Dieu se souvienne de tes parents.
Pray for God to remember your parents. Prie que Dieu se souvienne de la famille de ton père. Pray that God remember the family of your father and your mother. La volonté de Dieu. The will of God est que l'homme soit sauvé. Is for men to be saved. Jésus est venu. Jesus came pour détruire. To destroy les œuvres du diable. The works of the devil. Jésus est venu. Jesus came pour détruire. To destroy les œuvres du diable. The works of the devil. Les œuvres du diable. The works of the devil. Les œuvres du diable. The works of the devil. Dans ta famille. Take your family. Jésus Christ est venu. Jesus came. Oh, Jésus Christ est venu. Jesus came. Afin de détruire. In order to destroy. Les œuvres du diable. The works of the devil. Les œuvres du diable. The works of the devil. Jésus Christ est venu. Jesus came. Jésus Christ est venu. Jesus came. Pour détruire. To destroy. Pour détruire. To destroy. Les maladies. The sicknesses. Pour détruire. To destroy. Les envoûtements. A bewitchment. Pour détruire. To destroy. Les malédictions. Curses. Oh, Jésus est venu. Jesus came. Jésus Christ est venu. Jesus came. Pour détruire. To destroy. Pour détruire. To destroy. Les œuvres du diable. The works of the devil. Parle à Jésus. Speak to Jesus. Parle-lui de tes parents. Speak to Jesus about your parents. Parle-lui de tes amis. Speak to him about your parents. Parle-lui de tes amis. Speak to him about your friends. Parle-lui de tes parents. Speak to him about your friends. Parle-lui. Speak to him. Parle-lui de toi-même. Speak to him about yourself. Parle-lui de toi-même. Speak to him about yourself. Parle-lui de toi-même. Speak to him about yourself. Il est celui qui peut te sauver. He's the one who can save you. Il est le même. He's the same. Il n'a pas changé. He has not changed. Oh, Jésus n'a pas changé. Oh, Jesus has not changed. Jésus n'a pas changé. Jesus has not changed. Jésus n'a pas changé. Jesus has not changed. Dis-lui. Tell him. D'opérer des miracles. To work wonders. Dis-lui. Tell him. D'opérer des délivrances. To work deliverances. Dis-lui. Tell him. De ramener à la vie. To bring to life. Dis-lui. Tell him. De briser le joug. To break the yoke. Le joug de la pauvreté. To break the yoke of le joug de poverty. La misère. Dis-lui de briser le joug. Tell him to break oh, the yoke. Oh, Jésus de Nazareth. Oh, Jesus of Nazareth. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Speak to him, speak to him, speak to him. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Speak to him, speak to him, speak to him. Ora bakashoro bakasharga bakasharga baka. Ora bakasharga bakalakasharga baka. Ora bakashorga bakashorga bakalaka. Ora bakashorga bakalakashaka. Ora bakala bakalakasaka baka. Ora bakala bakala bakalakasama. Oria bakala masene. Oria kara masene. Ora bakara masene. Dis, oh Père. Say, oh Father. Tu as dit dans ta parole. You said in your word. Que ce que tu désires, that what you desire, ce n'est pas la mort du méchant. It's not the death of the wicked one. Ce n'est pas la mort du méchant. It's not the death of the wicked one. C'est que le méchant se repente. It's for the wicked one to et repent. Que le méchant vive. And for him to live. Oh Père. Oh Father. Visite nous. Visit us. Visite ma famille. Visit my family. Visite moi. Visit me. De la tête. From my head. Jusqu'à la plante de mes pieds. To my toes. Dis Seigneur. Say Lord. J'ai besoin de ta santé. I need your healing. J'ai besoin de nouveaux organes. I need new organs. J'ai besoin de nouveaux organes. I need new organs. J'ai besoin d'un nouveau cœur. I need a new heart. J'ai besoin de nouveaux poumons. I need new. J'ai besoin d'un nouveau foie. I need a new liver. J'ai besoin de nouveaux reins. I need new kidneys. J'ai besoin d'un nouveau pancréas. I need new pancreas. J'ai besoin que tu me donnes une rate nouvelle. I want you to give me new kidneys. J'ai besoin que tu me donnes un estomac nouveau. I want you to give me new stomach. Des intestins nouveaux. New intestines. Enlève tout ce qui est perforé, perforé. Remove all that is j'ai besoin d'une nouvelle vessie, une nouvelle vessie. I need a new. Oh, enlève celle qui porte le cancer. Remove cancer. J'ai besoin d'une nouvelle prostate. I need new prostate. Oh, Seigneur. Oh, Lord. Créateur du ciel et la terre. Lord of heaven and earth. Tu as tant aimé le monde. You so love the world. Tu as envoyé Jésus-Christ. And you sent Jesus. Pour venir et détruire. To come and destroy. Tout ce que le diable a introduit dans nos vies. All that the devil has introduced in oh, our lives. Oh, j'ai besoin d'un nouvel utérus. I need a new uterus. J'ai besoin de nouvelles utérus. I need a new uterus. J'ai besoin de nouvelles trompes. I need new tubes. Oh Père. Oh Lord. Si tu es un homme. If you are a man. Si tu es devenu impuissant sexuellement. If you have become sexually impotent. Père. Say, oh Father. Je suis marié. I am married. Mais je ne suis plus viril. But I'm no more viril. Guéris-moi maintenant. Deliver me parle now. De toi-même. Speak about yourself. Parle de tes parents. Speak to me about your parents. Parle de tes amis. Speak to me about your friends. Parle sans crainte.
Speak with fear. Parle avec foi. Speak with faith. Prie avec foi. Pray with faith. Prie sans crainte. Pray with fear. Prie sans crainte. Pray with fear. Prie avec foi. Pray with faith. Demande les choses impossibles. Ask him impossible things. Demande les choses impossibles. Ask him impossible things. Impossible à l'homme. Impossible to man. Demande les choses impossibles à l'hôpital. Things that are impossible to man. Oh, Ridal Bashaka Labako, Arabaka Shaba. Ora bakashara gabagala gashara gabagala gashara gabagala ora gabagashara gabagala ora gabagashara gabagala gashara gabagala gabagashara gabagala gabagashara gabagala. Prions tous en langue, prions tous en langue. Let us all pray in tongues. Holy kalaba kori kalaba ori kalaba seka rabaka seka rolo koro bakaseba rori kalaba seke rori kalaba seke rori kalaba seke. Dieu ô Père, say, oh Father, exauce-nous. Grant us. Du haut de ton trône. From above your donne throne. Des ordres. Give orders. À notre sujet. About us. Exauce, exauce, exauce. Grant us. Grant exauce, us. Exauce. Grant us. Exauce par compassion. Answer us by compassion. Exauce par miséricorde. Grant by mercy. Exauce par amour. Grant by oh by Père. Love. Oh Father. Exauce nous, exauce nous. Grant us. Answer us. Continue à prier en langue. Continue to pray in tongues. Ora bakashara gabagala gashara ora gabagashara gabagashara ora gabagashara gabagashara ora gabagashara gabagashara kolu bakasaka bakasaka ora bakasaka bakasaka ora bakasaka bakara gabagashara ora bakasaka bakashura bakas ora bakara 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 ora bakara bakara gashara ora bakashara bakara ora bakasaka bakara ora bakasaka. Dieu Père, oh Father, que tes jugements, let your judgment, frappe le séjour des morts. Strike Hades. Que tes jugements, let your judgment, frappe les abîmes. Hits que tes jugements, let your judgment, vont dans, aille dans les racines des montagnes. Goes into mountains. Que tes jugements, let your judgment, consume les forêts sacrées. Consume sacred forests. Que tes jugements, let your judgment, frappe les eaux et les pastages. Strike waters. Que tes jugements, que let your judgment, crée la zizanie et la confusion. Create confusion dans les lieux célestes. In heavenly places. Que toute hauteur, let any height, toute principauté, let any principality, élevée au-dessus de nous. Lift it up. Soit renversé au nom de Jésus-Christ. Que le ciel reste ouvert. Let heaven be open. Dis Père, nous Father, voulons un ciel ouvert. We want un ciel ouvert. Open. An open heaven. Un ciel ouvert. An open heaven. Dis au nom de Jésus. Oh, que les jugements de Dieu, let the judgment of God, frappe les forteresses. Strike fortresses. Frappe les forteresses. Strike strongholds. Et les démolisse. And destroy them. Que les jugements de Dieu, let the judgment of God, frappe les canaries. Strike. Et les brise. The grain reason and break them. Que les jugements de Dieu, the judgment of God, frappe les bouteilles. Strike bottles. Et les brise. And break them. Que les jugements de Dieu, let the judgment of God, frappe les tombes. Strike the tombs. Et les ouvre. And let them open. Les ouvre. Let them open. Et les ouvre. Let them open. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Que les jugements de Dieu, let the judgment of God, frappe tout reptile. Strike any reptile. Frappe tout reptile. Any creeping thing. Qui avale les richesses. That swallow riches. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Juge dans les cieux. Judge in heaven. Juge sur la terre. Judge on earth. Juge sous la terre. Judge under the earth. Juge dans les eaux. Judge in water. Juge sous les eaux. Judge under the waters. Juge dans les montagnes. Judge on the mountains. Juge dans les collines. Judge on the hills. Oh, venge ton peuple. Oh, avenge délivre your people. Les misérables. Avenge them. Délivre les misérables. Délivre les misérables. Deliver the miserable. Délivre les captives. Deliver les captives. The captives. The captives. Deliver the captives. Dis captifs. Say captives. Sortez de prison. Get out of prison. Jésus vous a libéré. Jesus has set you free. Captifs de ma famille. Sortez de prison. Get out of prison. Jésus vous a libéré. Jesus has delivered you. Dis au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Que vos cœurs se tournent vers Jésus. Let your heart turn toward Jesus. Que les captifs libérés. Let the free captives se dirigent vers Jésus. Let the heart be led to Jesus. Pour le recevoir. To receive Jesus. Pour le recevoir. To receive him. D'une manière radicale. In a radical way. Oh, que la gloire entre dans mon village. Enter in my family. Que la lumière de l'évangile. La lumière de l'évangile rencontre mes amis. Meet my friends. Que la lumière de l'évangile to give them the rencontre gospel. Mes parents. My parents. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Continue à prier, continue à prier.
Ori kaba, ori raba kashara wakana. Dunda raba kaseka, riba kaseka, riba. Ora baka la baka la baka. Dunda raba kaseka. Ora baka la baka la kashara. Ora baka seba. Ora baka seba. Left arm droite. Rise your right hand. Dit Jésus Christ a dit. He said, Jesus said. Je vous ai donné mon pouvoir. I've given you my power. Dit Satan. C'est Satan. Je lève ma main contre toi. I raise my hand against you. Et contre tous tes démons. Against any demon. Contre moi ou contre les membres de ma famille. Against me or against the members of my family. Je détruis tout ce qui existe. I destroy all that exists. Tout ce qui est dans ma vie. All that is my life. Que Dieu n'a pas planté. That God didn't plant. Je le déracine. I uproot them. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Je détruis toutes choses. I destroy anything. Qui existe sur la terre. That exists on earth. Contre moi. Against me. Qui existe dans les eaux. That exists in the waters. Sous les eaux. Under the waters. Dans les forêts. In forests. Dans les savannes. In savannas. Les collines et les montagnes. In hills. Toutes choses. Toutes choses. Anything. Toute chose. Anything. Qui existe quelque part. That exists anywhere. Contre moi. Against me. Comme un objet d'envoûtement. As an object of bewitchment. Je le détruis. I destroy. Je le bannis. I banish it. Je l'anéantis. I bring it to naught. I bring it to naught. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que Jésus Christ. That Jesus. A fait de nous ses enfants. Has made of us his children. A fait de nous ses frères. He has made of us his brethren. Des sacrificateurs. As priests. En tant que sacrificateur, as priest, je proclame, I proclaim, que ma famille est libérée. That my family is free. J'annule les alliances. I cancel the covenants. J'annule toutes les promesses que les individus ont faites au marabout. I cancel all the promises that individual made. D'ici un membre de ma famille, says if a member of my family, s'est engagé quelque part, is committed somewhere, et dans une relation d'envoûtement, in a relation of bewitchment, même s'il s'est vendu lui-même. Even if he sold himself, j'interviens pour lui. I intervene for him. Je dis, Père, I say, Father, pardon, forgive, et délivre-le. And deliver him. Délivre-le. Deliver him. Délivre-le. Deliver him. Dis, en tant que sacrificateur, say, as priest, j'annule, I cancel, tous les engagements, all the commitments, des ancêtres ignorants. My ignorant ancestors qui ont pris les fétiches, who took fetishes pour la protection, for protection, pour la richesse, for riches, pour la danse, for dancing, pour la pêche, for fishing. Je proclame, I proclaim, qu'il n'y a pas un bon Satan. That is, there is no good Satan. Le diable vient pour voler. The devil comes to steal. Le diable ne vient pas pour protéger. He does not come to protect. Le voleur vient pour voler. The stealer comes to steal. Le voleur vient pour voler. The thief comes to steal. J'annule les alliances de mensonges. I cancel the lies. Je m'associe à mes frères. I join my brethren. Et maintenant. Now. D'un commun accord. In one accord. Que toutes les alliances. Let all the covenants. Malsaines. Mensongère, evil one, lie, soit déchiré, be torn, que les captifs soient libérés, and let the captive be free. Et en tant que sacrificateur, as a priest, nous appelons la guérison, we call healing, de toutes les maladies héréditaires, let all hereditary sicknesses qui proviennent des alliances, that come from covenants, toute maladie, any sickness, qui a suivi quelqu'un, that's followed someone, à cause de ces alliances, because of Satan, nous chassons cette maladie. We cast this sickness out. Nous la précipitons dans les abîmes. We put in the abyss. Tous les esprits de mort. All the spirit of death. Qui vivent de ces alliances. That live about. Nous les jugeons. We judge them. Vous êtes morts. You are dead. Votre demeure. Your dwelling dans place. Dans le séjour des morts. Is in Hades. En attendant le lac de feu. Before the lake dans of fire, le Seigneur Jésus vous jettera. In which the Lord Jesus will nous cast désorganisons you. Vos représentants humains. We disorganize your human representatives. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que dans chaque famille représentée. Let in each family represented ici, here. Ou qui est avec nous en ligne, avec who la is télévision, with us in line, ou la radio, on radio, ou l'internet.
Tous ceux qui sont devant Dieu maintenant. All those who are before God now. Pour implorer la grâce de Dieu. Let the grace of God. Que la grâce de Dieu se manifeste. Let the grace of God be manifested. Dans chaque famille. In each family. Et que l'intervention de Dieu soit totale. And let pour libérer les femmes tenues captives. Let the action of God be total to release the captives. Dans les relations de mariage iniques. From weddings that are not normal. We release all the women, these au women, de Jésus-Christ, in the name of Jesus of Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Veuillez vous asseoir. Get seated, please. Tu restes concentré. Tu contemples comment Jésus travaille. Be concentrated and behold as how Jesus works. Jésus-Christ. Jesus. Tu contemples comment Jésus travaille. Behold how Jesus works. Si tu bailles, if you are yawning, ne t'inquiète pas. Do not worry. C'est un démon qui s'en va. It's a demon that is leaving. Si tu sens une chaleur quelque part. If you feel a heat somewhere. Ne t'inquiète pas. Do not worry. Si tu as des vertiges. If you are dizzy. Prie seulement que il parte très vite. Just say, tell him to go quick, speedily. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Because you are the temple of the Holy Spirit. Tu n'as pas été créé pour être une habitation des démons. You have not been created to, in order to become a dwelling place for demons. Et que tout démon. And that any demon sache que Jésus-Christ know that Jesus Christ est sur le trône is on the throne pour libérer les captifs. To release the captives. Tous les esprits de mort, you spirit of death, qui exploitent les âmes. That has spread souls. Jésus est venu. Jesus pour libérer les captifs. Came to release captives. Jésus est venu. Jesus came pour libérer les captifs. To release captives. C'est moi qui te fais venir dans ce lieu pour te libérer. C'est moi qui te fais venir. C'est moi qui te fais venir. C'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai tiré d'où tu étais. C'est moi. Je suis Dieu et je t'aime. Et c'est pour cela que je t'ai fait venir jusqu'ici pour te libérer. Je suis la résurrection et la vie. Je te donne ma vie. Je ressuscite ta vie. Je te libère aujourd'hui même. Je te libère. Va-t'en vite. Satan, get away. Que tout esprit étranger s'en aille. Any foreign spirit, get away. Va-t'en vite au nom de Jésus. Get away speedily in the name of Jesus. Que tout esprit démoniaque. Let any demonic spirit. Dissimulé dans une vie. That is hidden in a life. Je te renverse. Get away. Je détruis ton siège. I destroy your siege. Manifeste-toi et va-t'en vite au nom de Jésus-Christ. Manifest yourself and go away speedily. Et en partant, tu ne voles rien. And while going, you steal nothing. Mais tu ramasses tout ce que tu as amené. You pick up everything that you came with. Des maladies. Sicknesses. La pauvreté. Poverty. Tu pars. You go. Et tu ne reviens plus. And you come no more.
Va-t'en au nom de Jésus-Christ. Go in the name of Jesus. Va-t'en au nom de Jésus-Christ. Go in the name of Jesus. Va-t'en au nom de Jésus-Christ. Go in the name of Jesus. Toute personne, any person, qui a été envoûtée, that has been bewitched, à travers les empreintes de ses pieds, de ses pas, through the his footsteps, je déclare que tu es libéré. I declare that you are free. Tous ceux qui ont pris là où tu as posé tes pieds, all those who took that the sand from where you set your foot, je déclare ta liberté. I declare your freedom. Je te sépare de ces empreintes et je te libère de toute maladie des pieds que tu as attrapée. And I set you free from any weak sickness of the feet that you caught. Je te libère. I release des maux de pieds from pains in your feet que tu as attrapé. That you caught. Je te libère. I set you free. Je te libère. I set you free des maux de pieds from the pains in your feet. Des maux de pieds. From the pains in your feet. Des maux de pieds. From the pains in your feet. Tous ceux qui ont prélevé tes empreintes. All those who took your footsteps. Qui t'ont envoûté. And bewitched you. J'annule. I cancel. J'écrase. I crush. Je proclame que tu es guéri. I proclaim that you are delivered. Je proclame que tu es guéri. I proclaim that you are delivered. And you've never known who called you. Si on t'a envoûté par ta réponse. If you have been bewitched by your answer. Je détruis ce lien. I destroy that link. Je te libère de cette personne. I release you from that person. Je ramène ton âme. I bring back your soul. Qui a été récupérée par ta réponse. That have been taken through your reply. Je ramène ton âme. I bring back your soul. J'annule ta réponse. I cancel your answer. Je proclame ta liberté. I proclaim your liberty. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. J'annule ta réponse. I cancel your answer. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Il y a quelqu'un qui a été envoûté. There's someone who has been bewitched. On l'a appelé, il a répondu, mais il n'y avait personne. He was called and he answered, but there was nothing. Je proclame que tu es libre. I proclaim that you are free. Je proclame que tu es libre. I proclaim that you are free. Je proclame que tu es libre. I proclaim that you are free. Et je ramène ton âme à la liberté. And I bring back your soul to liberty. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Si on a pris tes habits, if your clothes have been taken, pour t'envoûter, in order to bewitch you, tu ne sais même pas que tu es envoûté. You don't even know that you have been bewitched. Mais tu as des phénomènes que tu ne comprends pas. There are phenomena that you don't understand. Mais ta vie, but your life, est entre les mains d'un méchant. Is within the hands of the wicked one. Qui a pris tes vêtements. Who took your clothes. Qui a pris tes sous-vêtements. And took your underpants. Ou bien ta serviette. Or your towel. Et tu es envoûté. And you are bewitched. Je déclare que tu es libre. I proclaim that you are free. Jésus est venu détruire. Jesus came to destroy les œuvres du diable. The works of the devil. Je déclare que tu es libre. I declare that you are Je free. Je déclare que tu es libre. I declare that you are free. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Jesus came to destroy the work of the devil. Tu es libéré. You are free. Et que tout démon. And that let any demon. Tout démon. Any demon. Qui t'a suivi. Who followed you. S'en aille. Get away. Va-t'en, vite. Go vite. quickly. Satan, tu es vaincu. Satan, you are overcome. Si tu es un esprit démoniaque des marées de nuit, if you are a demonic spirit, tu as déjà résisté plusieurs fois. You have resisted many times. Aujourd'hui, today, c'est la fin. It's the end. Je brise ton orgueil. I break your resistance. Va-t'en vite. Go speedily. Va. Go. Va-t'en. Go. Esprit démoniaque de marée de nuit. Demonic spirit of. Je t'arrache tes victimes. I
take away your victim. Je t'arrache tes victimes. I take away your captive. Je t'arrache tes victimes. I take away your victim. Je t'arrache tes victimes. I take away your victim. Je t'ordonne de t'en aller. I command you to go. Je t'ordonne de t'en aller. I command you to go. Je t'ordonne de t'en aller. I command you to go. De t'en aller. I command you to go. J'enlève ce morceau de viande. I remove. Je l'enlève de ton âme. I remove it from your soul. Je l'enlève de ton âme. I remove it from your soul. Je déclare ta liberté. I proclaim your freedom. Je déclare ta liberté. I proclaim that you are free. Et je, que tout ce que tu as mangé, tu as bu, soit vomi, 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 vomi. That all that you've eaten vomis, and drunk, vomi, 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 vomited, vomited, vomited. Que tout ce que tu as mangé, tout ce Let que tu as bu. Let all that you ate. Soit vomi, vomi, be vomited, vomited. Que ton âme soit purifiée. Let your soul be purified. Que ton âme soit purifiée. Let your soul be purified. Que ton âme soit purifiée. Let all your soul be purified. Que tout ton âme soit purifiée. Let all your soul be purified. Que tout ton âme soit purifiée. Let all your soul be purified. Que tout ton âme soit purifiée. Let all your soul be cleansed. Au nom de Jésus, in the name of Jesus, je déclare I proclaim que toute personne that any person qui a des tendances homosexuelles démoniaques, who has homosexual tendencies and demonic, je proclame que tu es libéré. I proclaim that you are free. Je chasse le démon qui te tourmente. I cast out that demon that torments. Va-t'en. Go. Esprit impur. Spirit impure and clean spirit. Je juge tout démon. I judge any demon qui inspire des tendances lesbiennes. Qui inspire des tendances lesbiennes. That inspire lesbian tendencies. Tu es jugé. You are judged. Vite. Go now. In the name of Jesus. J'annule tout complot. I cancel any plot. Contre les semeurs. Against the sowers. Je bannis l'orgueil du diable. I banish the pride of the devil. Je brise tout obstacle. I break any obstacle. Placé sur le chemin des semeurs. Set on the way of the sowers. Satan. Satan. Tu es vaincu. You are overcome. Jésus a détruit tes œuvres. Jesus has destroyed your works. Toutes tes œuvres. All your works. Dans la vie de chaque semeur. In the life of each sower. Toutes tes œuvres. Your works. Sont brisées. Are broken. Brisées. Are broken. Détruites. Broken. Détruites. Destroyed. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit toutes tes œuvres, toutes tes œuvres. I said all your work, all your works. Tous tes projets, all your projects. Contre un seul de ses enfants. Against any of your brisé, children. Détruit, broken, destroyed. Brisé, brisé. Broken, broken. Brisé, brisé. Broken and broken. Brisé, brisé. Broken and broken. Et détruit. And destroyed. Va-t'en. Go. Et restitue tout ce que tu as volé. And pay back all that you have au nom stolen. De Jésus, au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Oh, rakabakasha, rakabaka. Oh, rakabakasha, rakabaka. Rakabakasha, rakabaka. Commence à dire merci à Jésus. Start giving thanks to God, to Jesus. Attendez, lève ta main. Raise your hand. Dis, nous brisons les dernières résistances. Say, we break the last resistances. Que aucun esprit ne se cache. Let no spirit. Prie avec knows. Violence, parce qu'il y a un démon caché quelque part. Pray seriously, because there is a demon hidden somewhere. Prie avec violence au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Tout doit être brisé, brisé, brisé. All must be broken, broken, broken. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to the Lord Jesus. Offrande d'acclamation à Jésus. Clap offering to the Lord Jesus. Non. Lève ta main. No, raise your hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus.
d'un commun accord. In one accord. Nous arrachons tout ce qui nous a été volé. We tout ce qui nous a été volé. All that have been stolen from us. Vous avez écouté la prière de la sœur hier. Elle a pris tout et ça s'est accompli. You heard the prayer of the sister yesterday. She took all, and it was accomplished. La sœur avait un bulletin de salaire. The sister had a pay bill. Mais ce qu'on lui donnait n'était rien du tout. But what she was giving was nothing at all. Vous voyez, je vous disais qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas partir. I was telling you that there's someone who doesn't want to go. On pousse encore. Ils se disent qu'ils arrêtent à 17h. They tell themselves that they will stop at 5 p.m. Ils disent, tenez bon, ils arrêtent à 17h. They say, stand fast. Dieu, au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous arrachons tout. We snatch all. Nous frappons ceux qui veulent résister. Nous frappons. We strike. Ceux qui veulent résister. Those who want to resist. Maintenant, nous ne demandons pas qu'ils partent. Nous les précipitons. Now we don't tell them to nous go. We precipitate dans les abîmes. We precipitate them in the abyss. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous brisons les résistances. We break resistances. Nous détruisons les coalitions. We destroy coalitions. Nous les désorganisons. We disorganize them. Nous détruisons les renforts. We destroy those who come to help. Nous proclamons la victoire. We proclaim victory. La victoire, la victoire, la victoire. Victory, victory. La victoire. Victory, victory. Dis-toi, démon qui veut résister, va-t'en. Say, you demon who wants to resist, go. See what has happened. Tu vas dormir en disant merci à Jésus. You will sleep saying thanks to Jesus. Mais la faiblesse de l'homme t'empêche de le faire. But the weakness of man prevents you from doing it. Mais le peu de témoignages que tu as suivi. The little testimonies that you follow. Ce que Dieu a montré à ceux qui ont les dons de vision. What God showed to those who have the gift of vision. On n'a même pas interrogé tous. We have not even called all of them. Mais le peu qu'on a écouté. But the little we have understood, we have listened. Que Dieu nous a exaucé. Show that God has granted us. Même la vision de la sœur Dirabou. Even the vision of Sister Dirabou. On avait chassé déjà l'esprit. We had already cast that spirit away. C'est arrivé au fond de la salle là-bas, le Saint-Esprit me dit non, emballe tout ce qu'il a, tu attaches à son cou, tu le chasses. And it is when we get to the back of the hall that the Lord told me that you have to pack up everything he has and bind it on its neck. Elle a vu ça en vision. And she had it in a vision. Le démon est parti avec ses malédictions attachées à son cou, c'est fini. The demon went with his curses bound to his neck. Tu es béni. You are blessed. Tes parents sont bénis. Your parents are blessed. Quand tu arrives à la maison, tu appelles tes amis pour qui tu as prié, tu dis j'ai prié pour toi. When you get back home, tell your friends for whom you prayed and tell them, I prayed for you. Ce n'est pas l'orgueil. It's not pride. L'apôtre Paul écrit, dit, je prie pour vous. Apostle Paul write and he said, I pray for you. Quand tu pries pour quelqu'un, dis-lui que j'ai prié pour toi. When you pray for someone, tell him that I've prayed for you. Ça n'a rien à voir avec la vain gloire. It has nothing to be with vain glory. Amen. Amen.